Thomas, qu'est-ce qu'on fait, Thomas On fait un truc en accéléré Thomas Brossé, trois minutes. Pourquoi tu veux faire le vrai ségur de la santé Comme ça, après, on enchaîne, on aura un petit peu plus de temps pour Frédéric Dussard, et ensuite, on pourra conclure avec Emmanuel. Euh, il est quelle heure Il est 29. Ce n'est pas la catastrophe. Thomas, du coup, moi, j'aimerais bien que tu dises, Thomas Brossé, pourquoi il faut faire le vrai ségur de la santé Si tu es là. Thomas Brossé, ils m'ont tous lâché ou quoi Thomas Brossé, tu n'es pas là non plus <laughs> Bon, c'est pas grave, ils vont conclure. Oh ben, c'est pas possible ça. Thomas, alors Thomas, alors je passe. Alors c'est pas grave. Je vais passer Thomas et Audrey de toute façon ils sont dans l'organisation, vous l'avez compris, vous les connaissez bien. Je vais passer la parole à monsieur euh, Frédéric Dussard. Alors Frédéric Dussard, il est vous êtes là Frédéric Moi je vous vois, vous m'entendez bien Bonjour, Thomas. Alors euh, donc c'est alors c'est Arnaud qui vous parle Frédéric. Pardon. Vous m'entendez bien? Hein non, non, non. Okay. Aucun souci. Frédéric, Frédéric et... alors, on a, on a entendu parler beaucoup de, euh, enfin, notamment de millefeuilles administratives, de charges administratives pour les soignants, probablement de, de, en, en quantité trop importante par rapport à, par rapport à, à, à leur, leur job qui est de soigner. Euh, on a même évoqué peut-être qu'il y avait des. Et effectivement, on pouvait s'interroger sur quelques intitulés de directeurs de temps en temps. Mais enfin, alors, finalement, personne, qui de mieux qu'un directeur pourrait nous répondre. Et donc, vraiment, je, je, je vous remercie d'être là. et Juste en introduction, j'entends plein de bruit. Et juste en introduction, euh, je voudrais vous dire que, euh, assurément, euh, on ne pourra jamais se passer des administratifs. Et la première crise sanitaire a montré aussi que, sans les administratifs, et je l'ai dit à Frédéric, je le pense sincèrement, je pense qu'on a sauvé, on aurait sauvé moins de gens sans les administratifs, sans parfois la vision de directeurs, notamment de cliniques en ce qui me concerne, euh, Frédéric en, en est un également, euh, est les, est les directeurs de cliniques ont eu euh, dans, dans ces moments-là euh, une grande intelligence d'action et d'efficience, d'écoute des soignants en interface quasiment directe. Et c'est pour ça que, même si les, 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 les administratifs ont été un petit peu chahutés <laughs> lors de cette session, ou en tout cas que le mot administration a été clairement un peu connoté, euh, eh bien Frédéric nous fait l'amitié et la bienveillance de nous donner son avis sur qu'est-ce qu'il faudrait changer dans l'organisation. Et il va nous parler de ce qu'il veut dans un temps un petit peu restreint, je m'en excuse. Mais c'est vrai qu'on a eu un petit sujet qui moi me passionne. Euh, j'en ai déjà un peu parlé et peut-être que si il, a le temps, il nous en parlera, moi je prétends qu'on n'aurait pu déprogrammer aucun malade. J'en suis sûr, j'en suis sûr. Mais je prétends que ça n'a pas été fait par feignance, feignantise organisationnelle, des tutelles, parce que ceux qui dirigeaient le pays, le, le monde de la santé à ce moment-là, n'étaient pas capables de l'organiser. Mais moi, je suis sûr que si on s'était parlé, on n'aurait pu déprogrammer aucun malade. Monsieur Dussard, je vous laisse la parole. Euh, merci beaucoup, Arnaud. Franchement, euh, je vais essayer d'être très bref parce que c'est vrai que c'est tellement large et tellement important euh, ces sujets que qui me passionnent. Ça fait plus de 28 ans maintenant que je travaille dans la santé. Je suis un peu un, un administratif, euh, comme je vous l'avais dit, hein, un administratif improductif, un hein, puisque j'étais un soignant avant, puisque j'ai fait médecine. Donc, je suis un peu atypique avec tout le monde. Euh, et je ne veux pas être du tout dogmatique hein, et je ne suis pas du tout non plus... Euh, je n'ai pas préparé cette, cette intervention ce soir pour, euh, pour me mettre en avant, mais, mais bien essayer d'apporter une petite pierre à l'édifice qui fait qu'aujourd'hui, je pense très sincèrement que le système de santé aujourd'hui est totalement obsolète, voire euh, subclaquant. Euh, J'emploie des mots un peu difficiles, mais c'est un peu ce que je ressens. Euh, je pense qu'aujourd'hui nous avons, un, nous avons un, un système de santé qui doit, devrait normalement changer de, de paradigme. Et j'avais le, le sombre espoir euh, en rentrant d'Afrique que de, de voir que bah après, je suis arrivé à Mulhouse après l'Afrique. Hein, j'ai ouvert un CHU et j'ai construit un CHU à, à Abidjan. Et je suis arrivé à Mulhouse donc en décembre 2019. Alors, vous imaginez ce qui a pu arriver en janvier, février 2020 à Mulhouse. Tout le monde connaît ce qui s'est passé là-bas. Et j'ai eu la chance de pouvoir remettre le CETO sur les oreilles à ce moment-là. Et en fait, ce qui est important, c'est que je pense que l'administratif, il ne doit, doit plus y avoir un combat entre l'administratif. Et, euh, et euh, les soignants. On doit tous être ensemble pour le bien commun. Et le bien commun, c'est le bien de nos patients. En fait, on est tous en train de parler d'argent. On est tous en train de parler de T2A. On est tous en train de parler de de euh, qui va faire quoi, comment euh, avec l'HAS, avec euh, la T2A, avec. Euh, mais en fait, on est tous là. On a tous été formés pour qui Pour nos patients. Pour ceux pour qui on est euh, on est on a été formés. Et, et, et moi, je trouve que, ayant vécu des moments extrêmement douloureux, euh, puisque j'ai ouvert un hôpital mère-enfant, donc euh, extrêmement douloureux en Afrique, euh, en revenant en France, je me dis, mais on, a, on marche sur la tête. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, en tout cas, et j'en ai fait ma thèse à, à Sciences Po pour le coup, euh, pour moi, aujourd'hui, l'hôpital public, enfin, l'hôpital public, l'hôpital privé, l'hôpital privé non lucratif, tout ça devrait être organisé, mis en, mis en lumière, mis en musique, dans un guichet unique qui permettrait de demain, et, et, et je, je remercie les infirmières libérales de tout à l'heure, je remercie euh, euh, nos confrères euh, médecins libéraux aussi qui sont extraordinaires, je remercie tous nos praticiens qui sont des praticiens, euh, euh, des spécialistes extrêmement pointus. Euh, dans nos régions, il n'y a pas que Paris, il y a aussi toute la, y a toute la France qui existe aussi. Et on a des médecins extraordinaires. Nous avions ici à, à, à Cavaillon le président de la sauve -Côte. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire. On n'a on a, on a pas que des gens qui sont euh, rivés sur Paris. Et, et on a tous, chacun, dans nos régions, euh, des, euh, ce, ce, ce lien, ce, 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 ce lien hôpital. Euh, ville et ville-hôpital. Voilà. Euh, pour moi, le parcours de santé est, est extrêmement important, extrêmement important. Euh, C'est euh, le lien, à mon avis, qu'on doit euh, demain organiser. C'est demain, on doit mettre cet argent parce qu'il y a de l'argent. Il ne faut pas se leurrer. Il y a de l'argent. Il est certainement mal utilisées aujourd'hui. Et les petites structures ont autant de, de bien-être et de bienfaits dans le bien commun que les grandes structures. Et, et je pense, quand on parle de petites structures ou quand on parle de grandes structures, il y a toujours ce lien avec le patient, encore une fois, qui fait que demain, on aura euh, dans euh, le ségur de la santé, dans le vrai ségur de la santé, une, une option euh, avec nos, nos politiques en leur disant, ben bah, voilà, aujourd'hui... Euh, les déserts médicaux, ils ne doivent pas exister. On ne peut pas aujourd'hui, dans, euh, dans, ce, dans ce pays, on ne doit pas aujourd'hui se dire qu'on a un désert médical. Ce n'est pas possible. En France, on, est, on a le, le meilleur système de santé au monde. C'est l'hôpital qui va aux patients. C'est le médecin qui va aux, aux patients quand on est avec le SAMU. Et, et et, 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 et vous êtes tous bien, bien au courant de tout ça, et on a le meilleur système. Et aujourd'hui, on se dit, mais comment allons-nous allons faire pour que demain, nos concitoyens puissent vivre leur, leur vie et leur santé en, 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 en étant en sécurité Et ça, ce n'est pas possible aujourd'hui. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas possible. Alors, effectivement, je pourrais en parler, je pourrais parler longuement hein, des bas salaires, mais les bas salaires, ils sont... Excusez-moi, mais autant dans le privé que dans le public, et c'est insupportable quand on, on parle. On nous a mis dans le dans, euh, dans le Ségur euh, le parallèle entre hôpital 2007 et 2012, mais c'est absolument pas vrai. Hôpital 2007 et 2012, c'était simplement pour l'amélioration de nos structures de santé qui étaient subclaquantes aussi. Aujourd'hui, le, le Ségur, c'est simplement de dire que une aide soignante où une ASH, quand elle commence, elle ne gagne pas le, Enfin, aujourd'hui, enfin, dans le privé, une ASH gagne le même salaire qu'une aide-soignante. C'est insupportable, parce que les grilles tarifaires ne sont pas, ne sont pas correctes. Et ce n'est pas possible. On ne peut pas dire que... Euh, Valoriser le travail des uns et des autres. Voilà, c'est dire. Euh, et ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une perte de sens, c'est une perte de, 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 de bienveillance, c'est une perte de, de dialogue entre euh, l'administratif et, 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 et les soignants. Et je voulais terminer simplement, si, si, si tu veux bien, je voulais terminer simplement sur l'administratif aussi. Tu as vu, hein, je, je suis bon. Hein. Euh, je voulais simplement terminer sur l'administratif. Hein. Sur l'administratif, vous êtes tous en train de vous plaindre, médecins, euh, soignants, non-soignants, de, de l'administratif et du, de la charge administrative qu'on peut avoir. Je peux vous dire une chose. Hein. Je peux vous raconter une chose. C'est que tous les jours que je fais, je remplis des tableaux Excel dans tous les sens pour l'ARS. Et l'ARS, à mon avis, se fout totalement, mais complètement de tout ce que je peux lui envoyer. Parce qu'on envoie tellement de données que je me demande qui peut derrière les, les analyser. Moi, je peux avoir des données. J'ai besoin de données. Pour piloter. pour piloter la santé, il faut avoir des données. On ne peut pas piloter une santé sans, sans données. Quand on est anesthésiste, et tu le sais très bien, euh, euh, tu as besoin d'avoir un tableau de bord. Ton tableau de bord, c'est ton respirateur, c'est toutes les données, les paramètres du patient. Pour diriger un établissement de santé, il faut des paramètres, il faut des tableaux de bord. Et pour les tableaux de bord, il faut que je puisse avoir du recul pour pouvoir analyser et de savoir si le patient il, est, il va tomber ou il va pas tomber, ou si mon, mon établissement va tomber ou pas tomber. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, mais tous les jours, on a, euh, je, vais donner, allez, je, je vais terminer par ça. On a toutes les semaines une Réunion avec les ARS pour savoir où on en est parce que nous on est toujours en secteur en, en, en niveau 5 hein, de pandémie euh, sur la région PACA, hein, toujours hein. donc c'est dire que normalement on devrait on ne devrait plus du tout accepter de patients dans, dans nos dans nos lits, mais toutes les semaines on a une, ré, une réunion avec euh, l'ARS, on leur dit Mais écoutez, nous on veut être le lien ville-hôpital, on veut pouvoir vous aider, on veut pouvoir accueillir nos concitoyens dans nos lits. Ah ben attention, hein. faites attention parce que là, ça va peut-être monter, ça va peut-être monter, la, 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 la pandémie va peut-être monter, mais donnez-moi des chiffres. Ah ben non, euh, on ne peut pas. Alors donnez-moi du personnel pour qu'on puisse décharger l'hôpital public. Ah ben non, là on ne peut pas le faire non plus parce que vous comprenez, ça ne va, va pas le faire. Il faut inventer un nouveau paradigme. Et si je devais terminer ce soir mon intervention, euh, c'est l'humanité, l'humanisme que l'on doit donner à notre, à notre métier, le dialogue social qu'on doit donner, c'est l'amour de notre métier. On n'est pas rentré dans, notre, dans ce métier, on n'est pas rentré en médecine, on n'est pas rentré dans cette technique de, de, de santé. Et je, malheureusement, je dis technique de santé, mais je, je le pèse aussi bien ce soir par hasard et parce que derrière, parce que derrière, on a plein de plein de bon sens qu'on doit mettre au service de nos de nos concitoyens et ce bon sens, il est celui d'apporter le bien-être des uns et des autres et apporter aussi une santé qui soit aujourd'hui et pour demain longue et loyale, loyale avec nos concitoyens. Voilà. Merci beaucoup Frédéric. C'était passionnant et puis c'était en fait euh, très intéressant et, et presque un petit pied de nez parce que on a tous relevé, parce que là mon téléphone il sonne, on a tous relevé qu'un directeur, euh, même lui, pouvait avoir des griefs euh, envers les ARS, par exemple. Et c'est vrai que alors euh, l'humanisme, euh, bon euh, je... Euh, C'est aussi quelque chose de très important pour moi et, et donc je me refuse à avoir des, des propos extravagants, radicaux sur les ARS. Les hommes et les femmes qui bossent ARS, les ARS ne sont pas responsables de ce qui s'y passe. Il y a des directives, mais, mais il faut, voilà, on, on se l'est dit l'autre jour, il hein, faut changer la carte mère de les, des ARS. Il faut ah. changer leur, 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 faut leur, leur logiciel. Euh, il voilà, faut qu'ils arrêtent de demander des tableaux Excel si ne, ce n'est pas traité, si ce n'est pas efficient. Les soignants de... Terrain doivent envahir les ARS pour les maintenir en direct live avec ce qui se passe. Et puis surtout, ça doit pas rester un canal d'information de, descendant. Je retiens ça de votre intervention. Je retiens aussi, euh, alors vous ne sais pas ça que vous avez dit, mais vous m'avez donné cette idée-là euh, parce que je suis un peu une obsession sur la déprogrammation dont je redoute en France, mais heureusement, elle n'a pas été comptée et on n'a pas recensé. Mais je pense que ça fait autant de morts que le Covid, moi, la déprogrammation. Et en fait, ou en tout cas, la déprogrammation du soin. En élargissant et en fait, je me disais en vous écoutant, hôpital, clinique, explique. Peut-être que plus tard, il y aura un statut unique, comme on en a parlé également. Mais je me disais pourquoi on ne fait pas euh, Il existe des plans blancs euh, au niveau des hôpitaux, c'est-à-dire qu'en fait, on a une procédure de dégradation en cas de pic d'activité. On pourrait quand même tout à fait imaginer au niveau des territoires un système de plans blancs qui permettent de répartir les malades à opérer et euh, garantir ainsi aux Français. Qu'aucun euh, patient serait déprogrammé. Bon, voilà. Frédéric, alors, on reprendra. Je, 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 je suis désolé. Oui. Il faut que, quand même que je re, rebondisse là-dessus. Je ne suis pas contre les ARS. Simplement, je m'interroge aujourd'hui. Je m'interroge aujourd sur un système, puisque aujourd'hui, on est quand même à la cinquième vague et j'ai vécu de plein fouet la première vague à Mulhouse euh, du, du Covid, qui n'est quand même pas n'importe quoi. Euh, et, et je m'interroge aujourd'hui qu'on se dise, au bout de la cinquième vague, Comment allons-nous faire pour pouvoir déprogrammer ou pas programmer ou envoyer encore aujourd'hui de Marseille des patients sur l'Italie ou ailleurs et, et, et moi, je trouve ça insupportable. Je trouve ça insupportable, non pas du système, enfin, je ne je suis, euh, je suis, je suis pas contre les, les gens qui vivent dans les ARS, je, ou des, et qui sont tous des gens comme moi et comme vous, et, mais, mais simplement du système qui fait qu'aujourd'hui, c'est tellement... Euh, Chronophage, c'est tellement, c'est un mammouth, hein, une ARS aujourd'hui, c'est un mammouth. Et, et aujourd'hui, comment voulez-vous que, mais je ne sais pas comment il pourrait faire autrement, mais comment voulez-vous qu'ils puissent analyser sereinement, avec, avec attention et avec bienveillance, les, les, les données de, du terrain Parce que qui fait la santé aujourd'hui C'est nous. C'est nous qui sommes sur le terrain. C'est nous qui sommes sur le terrain, qui prenons de plein fouet. Et les patients qui ne sont pas contents, et les, pas, et les patients qui sont en, en déprogrammation, et les patients qui sont en, en état de choc, et les patients. Enfin bref, je pourrais en faire des, des tonnes. Et donc, je ne suis pas contre l'ARS, je suis contre le système qui fait qu'aujourd'hui, on a mis des ARS qui sont des, des, des systèmes extrêmement rigides avec des. des, 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 des des sous-directions par région. Mais ça, ça n'avance à rien aujourd'hui. On n'arrive pas à avancer aujourd'hui. On n'arrive pas. Et en fait... Euh, et on, on, je termine par là, hein, mais on a eu, euh, j'ai eu la chance de vivre parce que je dois être trop vieux certainement, mais j'ai vécu, j'ai vécu euh, l'arrivée des aérages et il y avait les, et les, et les, il y avait les DAS et les TRAS avant, et j'ai eu la chance dans, dans mon métier de vivre aussi, euh, de, de diriger aussi des établissements pour personnes âgées et personnes âgées indépendantes aussi. Donc j'ai une vision un peu. Plus large que, que du MCO pur. Et, et je trouvais qu'il y avait cette, ce contre-pouvoir quelque part entre le, la DAS, la DRAS et la RH. Il y avait un, un, quelque chose qui, qui fonctionnait et, et, et nous, le corps médical, on arrivait à, se rentrer, à rentrer dedans en se disant, ben, demain, euh, on peut aussi, avec vous, avancer sur la, la médecine de ville et euh, ce lien li ville-hôpital puisse avancer. Et ça, la DAS le faisait très bien. Voilà, pardon, je, 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 reste, je reste là parce que je, je pourrais avancer beaucoup. Comme ça, on aura dû sacrifier les gens du collectif, mais nos invités seront là. Les gens du collectif, on sait qu'ils reparleront plus tard. Alors, merci beaucoup, 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 Frédéric, et j'espère qu'on continuera, parce que ça, donne, ça nous appâte, je trouve, et ça nous ouvre plein de perspectives. Merci beaucoup. Merci. merci.